Très bien, nga kéré dina xamé dama fori Malick Camara nara suma nga ya kolon fe biray on birinto wama o maboyira droit des êtres, de respecter les droits des êtres guinéens. Mais, Rebara Diaré, c'est-à-dire les délinquants, de faire la gestion en Guinée. Enfin, Mamadi Doumbouyara. Mamadi, c'est un délinquant. Aujourd'hui, son problème, son travail, c'est de rechercher ceux qui critiquent, qui défendent les intérêts de cette nation, qui défend à partir de l'extérieur l'injustice qu'on a aujourd'hui en Guinée, les tueries, l'emprisonnement arbitraire en Guinée. Et l'ambassade de France est là à accompagner les îles, c'est-à-dire des gens qui sont illégaux dans notre pays, qui sont venus avec les armes, qui nous ont tués, qui continuent à nous tuer. Et le président français voit ça, regarde ça. Parce que l'ambassade de France en Guinée, c'est un mal, c'est pas un diplomate, c'est un businessman. C'est clair. Et la France que je connais, je ne pense pas s'ils vraiment vont accepter des genres de bêtises en France. C'est inacceptable. Il faut que la France fasse beaucoup d'attention avec ses ambassades, avec les gens qu'on envoie dans les autres pays, parce que on ne comprend plus rien. Faire la répression avec ceux qui demandent leurs droits, et en Guinée aujourd'hui, c'est plus pire qu'avant. Après Conté, c'est la répression totale. C'est la dictature totale. La France n'intervient pas. Il faut que la France fasse quelque chose. Parce que au temps de Sékou, je ne suis pas là pour expliquer ça. Alors, notre combat, c'est de mettre fin à l'injustice. C'est de mettre fin à l'arbitraire. Comme le Sénégal, que je connaissais. Je ne parle pas de Sénégal d'aujourd'hui, parce que ce qu'on voit là, c'est pas le Sénégal que moi je connaissais. Alors j'interpelle l'autorité sénégalaise de protéger ceux qui défendent, ceux qui se refusent entre chez eux contre la force du mal. On a un dictateur, un bandit, un malhonnête. C'est ce que Sonko invite pour assister leur cérémonie avec un président légal au Sénégal. Non, Sonko ne devrait pas faire ça. Et puis, on voit Sonko recevoir le gars, on dirait un président légitime au Sénégal. Vrai, Sonko. Je sais que les Sénégalais, le monde t'aime beaucoup. Mais il faut faire beaucoup d'attention avec Mamadi Doumbouya. Beaucoup même. Sinon, il va gâter ta crédibilité au Sénégal. Oui. Ça, il faut que tu respectes le Sénégal, hein.
C'est pas pour accompagner un président criminel comme le Mamadi et son clan. Il est illégal. Il n'a aucun droit de rapatrier quelqu'un à partir du Sénégal qui défense qui défend l'injustice. Regardez aujourd'hui ce que les gens la font en Guinée. C'est-à-dire on se réserve sur beaucoup de choses. Mais ce qui reste clair, Sonko, avec son gouvernement, fait beaucoup d'attention avec le gouvernement de Mamadi Doumbouya en Guinée. Le petit agit, ce n'est pas un problème d'État. C'est un problème entre les frères. Pourquoi on demande que le monsieur est illégal au Sénégal? Mais attends, on a combien de Sénégalais en Guinée qui n'ont même pas la carte de séjour? Il y en a beaucoup. Même ici aux États-Unis, beaucoup, 12 millions illégaux ici. Mais ça veut dire quoi? Donc, on va comprendre Fénard. Ça, maintenant, ça commence à être très sérieux. Très, très sérieux. KPC, Mbara Falebe, si quelque chose arrive à Agi Itanara, moi, je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit ou parler, c'est-à-dire dans la démagogie. Non, quelque chose l'arrive, c'est toi. Et d'après les investigations, quand la femme de Magnou et la femme de Damara, c'est des sœurs, même père, même mère. C'est-à-dire l'actuel ambassadeur de Guinée au Sénégal. Oh, Willy Nanara, KPC, Itanyou, et Magnou, Djibaté, quelque chose arrive à notre frère, vous serez responsable. Responsable. Et vous allez répondre ça devant la juridiction, en tout cas si c'est en Guinée ou partout, vous allez, quelque chose l'arrive, vous allez répondre. C'est un règlement de compte. Magnou est là à travailler pour Amara. Il n'a pas, il regrette maintenant. Il faut démissionner même, être ambassadeur. Dans la Falakbe. Si vous voulez, vous pouvez contacter Sonko de donner son ordre. Mais je sais que le Sénégal ne va jamais accepter avec un dictateur comme ça, un faux type, pour, n'est-ce pas, rapatrier le gars en Guinée. C'est un activiste et il continuera à défendre la vérité et les droits des êtres guinéens, partout où ils sont. Mayo, Minakui, retire-toi. KPC, il faut démissionner. Moi, je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. Naram Falamatina, et puis il ne me rit flatté. Non, non, non. Pas comme ça. Feyari Naranyetina à la Guinée, qu'on est en train de subir aujourd'hui, a raffiné Nyarinyarina. Alpha Condé n'a pas gouvernement na Syrie. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire, ah, il est social. Non, non. Flatterie, oui. Non, non. L'activiste Ramona Moutana, c'est de dire la vérité à qui de droit. Vous avez sciemment fait ce capré en Guinée, détruire les gens comme ça. Moudoundour Narama, Kaoumou poussé. On va tout dire
et tout est clair. Faut le faire le 28 septembre l'an 2009, en jour, Fénayeti Danguer la Guinée, nous sommes au courant, il ne faut pas provoquer. Laissez-nous défendre notre pays. C'est un pays non respect des êtres, un pays qu'on fait de n'importe quoi. C'est en Guinée seulement qu'on peut accepter quelqu'un comme des genres de personnes au pouvoir. Parce qu'on a eu des malhonnêtes avant eux, des bandits avant eux, des criminels. Regardez ce que le gouvernement d'Alpha nous a fait en Guinée. Ils nous ont tués avec des répressions sanglantes envers les Guinéens. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on reste là-bas? Alors, c'est impossible. Je pense Fode Abbas, c'est son domaine. Il va nous expliquer comment, quelle est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous faut et qu'est-ce que le gouvernement sénégalais doit faire, qu'est-ce qu'on appelle le droit des êtres. Il va nous expliquer ça, parce que c'est son domaine. C'est un homme de droit. C'est à lui de nous dire, est-ce qu'on va le rapatrier, est-ce qu'il va rester, et qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on appelle le droit. C'est pas avec Mamadi. Mon nom, mon nom, mon nom, mon nom, et falfolu comme ça. Oui, on va parler le nom d'Amara. Pourquoi? Amara Rapos ne le permet pas de faire des bêtises. Ça existe partout. Ce n'est pas pour parler la vie des gens. Ce n'est pas pour rentrer dans la vie privée des gens. Mais Amara Posse n'a occupé Amul Lama de toucher qui que ce soit, si ce n'est pas sa femme. Mais comme c'est un problème de famille maintenant, Mayo, il nous fait faire de rapatrier le monsieur ou plainte sa manée taillate contre. Vous avez intérêt d'aider les avocats de libérer le petit, de continuer à défendre son pays. C'est ça la vérité. Ramaraga Guinée, nous ira à Guinée. Même père, même mère, c'est pas ça le cas. La Guinée n'a rien à voir dans ça. Amara a fait des bêtises, il faut qu'on parle de lui. Bon, Guinée, c'est dans son bébé. On a perdu le gouverneur Yara, Kouyemo. Amara est qui? Kassoura est qui? Je vous ai toujours dit, il faut détruire le clan de Kassoura dans ce pays. Khanamari, Ibori, Moufam, Dana Falari. Moi, je ne l'insulte pas. Hein. C'est ça la vérité. Et il continue à faire du mal aux Guinéens. Il continue à nous priver de notre droit. Partout, il y a les activistes, partout, comme on appelle maintenant les blogueurs, ça existe partout, il faut qu'on défende notre intérêt, notre droit. Parce qu'on n'a pas un gouvernement, c'est un gouvernement sanguinaire, un gouvernement de violence. Ça a été toujours comme ça en Guinée. Il faut qu'on arrête ça. Alors, je remets un grand merci à l'IFDG. Au Sénégal, partout où ils sont, je vois leur contribution face à la situation. Ça. Je vais voir si c'est juste 30 minutes. Allô? Oui, monsieur Bangoura. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal, concernant notre frère activiste, Djibril Hadji. Oui.
ce n'est plus un problème entre les deux frères, mais plutôt un problème État-État, c'est ce qu'on voit. Parce qu'on est là à demander la régularisation de l'enfant, alors que je pense avec la convention de la CEDEAO ou quoi, un Guinéen c'est comme un Sénégalais. On a tellement de Sénégalais qui vivent paisiblement en Guinée, c'est-à-dire il y a libre essence de circulation entre les deux nations. Mais l'ambassadeur, d'après les informations, rien n'est sûr, requise auprès de nos informateurs au Sénégal que l'ambassadeur Magnou s'est impliqué pour qu'on puisse rapatrier le petit par canal de Damara. Parce que c'est lui le fort. Qu'est-ce que vous en dites en tant que l'homme, en tant que un professionnel de droit? Parce que Motama Yakolo, que les autres puissent aussi comprendre, puissent avoir une idée de ce qui se passe. Merci, je remercie les auditeurs, je remercie tous les activistes et je remercie le peuple de Guinée. Et je te remercie pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne. D'abord, le droit international protège d'abord les États, mais aussi il protège les citoyens de ces États qui sont en conflit avec leur propre État. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Convention de Vienne. D'abord, notre frère, il est activiste. D'abord, il est militant d'un parti. Il a affiché. C'est un parti de l'opposition. Oui. Dont le leader est en exil. Qui a le statut d'exilé maintenant, qui n'a pas le statut de réfugié. Sylo, président Sylo est en exil. Un de ses militants, il est allé trouver son militant là-bas. Il a été inquiété en Guinée avec Alpha. Et le gouvernement de Alpha, qui était un gouvernement supposé à peu près légal. Nous sommes avec la junte. Et cette junte, d'abord, est illégale. Voilà. Et son ambassadeur aussi, c'est l'ambassadeur de la junte. Il est illégal aussi. Ah non, si vous ne le dites pas, il faut que les gens le rappellent. Oui. C'est quoi ça? Moi, je ne vois même pas comment une jeune peut avoir un ambassadeur. C'est la première fois que j'ai vu ça en Afrique. Oui. Excusez-moi du terme, moi je n'ai jamais étudié ça. Non. Voilà. Ça veut dire que la Guinée est dans un truc que je ne comprends pas. Alors, Mandou, c'était presque la voix du CNDD. Ah bon? Si on doit juger, mais c'est pas lui qui disait décret barre, barre, barre. Mais attendez, tu as introduit le décret barre, barre. C'est lui. Si on devrait juger Dadis, moi je devrais être où? C'est avec Dadis. Non, faut pas rigoler. Non, je ne rigole pas. C'est avec Dadis. Dans les conditions normales. Voilà. Et bon, si lui n'est pas jugé, ça veut dire que nous sommes dans le fou. Et un ambassadeur de la simple, d'abord un militaire, qui reçoit des ordres de son général. Mais c'est quoi? Nous sommes dans la pagaille. Le jeune est opposant. Automatiquement, même s'il n'avait pas de papier. Et s'il n'avait été pas protégé, et il n'a pas le statut de réfugié, il est réfugié automatiquement. Oui. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Parce que les gens confondent des choses. Oui. Quand Dadis était au pouvoir, et celui qui m'arrête,
oui. Moussa Traoré et consorts, qui étaient là. Fobo est parti pour les faire arrêter. Avec un mandat d'arrêt international. Avec Oumane, moi je travaillais avec Oumane. Quand je parle, mon seul témoin, c'est Bali. Et Bali m'écoute alors là, un activiste qui est en Guinée. Oui. Et Corinne, une Américaine qui était basée à Dakar, est venue. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, Kamel est arrêté. On a même pillé, même sa société et ses biens. Les ciments, les fer à béton. Il a dit, comment on le traite? Si on envoie les gens là, le procès se fera au camp? Est-ce qu'un camp militaire, c'est une justice? Non. Non. Alors, vous avez vu Issa, que son âme repose en paix, qui disait que moi, mon code, je n'ai que deux articles. Mensonge et vérité. La Guinée a été ridiculisée sur tous les plans. Je ne sais pas si les Guinéens réfléchissent un peu l'image qu'ils ont donnée de leur pays, avec les dirigeants médiocres. Oui. Il a fallu nous encore. Et le bâtonnier qui était là-bas, c'est l'actuel agent judiciaire. Ils ont commencé à convoquer les avocats au camp. Je dis non, j'étais à la CENI. J'ai demandé à tous les jeunes là, convoquer l'Assemblée générale, de leur dire merde à ces gens-là. Personne ne doit répondre. Mettre cette liberté, partez, plaider là-bas pour chercher ces hommes. Mettre cette liberté là. Je dis son nom. L'avocat de Kassori. Oui, mais il a dit, on ne peut pas. J'ai mobilisé tous ces gens-là, dit, ne partez plus. Et ça n'est pas juste. Et finalement, ils nous ont tous suivis. Moi, j'étais à la CENI. Hein. Et nous avons mené le combat. Et finalement, nous avons gagné. Oui. Voilà la vérité. Et ce que les gens ne savent pas, ou ils savent, ils refusent de le connaître. Ils savent tous. Non. C'est un refus. C'est un refus. Oui. Et ces gens-là, aujourd'hui, qui sont complices encore de violations des droits de l'homme. Oui. Le Sénégal a refusé à l'époque. C'est le Sénégal de Macky, ou bien le Sénégal de Tel, qui a refusé à l'époque de Watt. Maintenant, c'est le Sénégal de Sonko, qui est venu pour faire la démocratie, qui va faire ça. Ça veut dire que Sonko est dans le faux. Ah, oui. Si Sonko soutient Mamadi, c'est que Sonko ne s'est jamais battu pour la démocratie. Il s'est battu, peut-être qu'il avait un intérêt caché. Vous allez le savoir un jour. Oui. Tu sais, moi, je dis des choses à temps. Les populistes là, c'est Dieu qui a récompensé Jomaï. Comme Dieu a récompensé l'actuel président de Gambie. Je vais vous dire quelque chose. Si son corps était propre, comme vous le pensez, c'est lui qui allait être aujourd'hui président. Mais vous allez avoir accès à des dossiers parce que je vois. C'est un dictateur que vous êtes en train de préparer comme ça. Mais vous allez le regretter un jour. Moi, je ne ferai pas son éloge. Et tant que ce qu'il dit et ce qu'il pose comme acte ne vont pas dans le même sens, je ne suis pas là pour apprécier qui que ce soit. Parce que ça m'est arrivé. En Guinée, j'ai vu, j'ai de l'expérience. Je n'ai pas de l'émotion à l'action. Ouais. Le problème aujourd'hui, Sénégal devrait être aujourd'hui, le Sénégal de demain et de son bord devrait être un pays de liberté par excellence. Exemplaire. Pour que exemplaire. Oui. Mais s'il est dans les communes, c'est que c'est Mamadi qui a financé sa campagne. Et tout ça, ça se reviendra un jour. D'après. Moi, je suis là. Hein. Ce que je dis, c'est que je pense. J'ai vu Mamadi là-bas. Quelqu'un qui n'aime pas la démocratie. Comment il peut être avec quelqu'un qui est élu par qui est un combattant de la démocratie? Il ne devrait même pas être. Attendez, vous n'acceptez pas des histoires. Si le petit est rapatrié, parce que c'est des combines, nous allons nous lever. Et au Sénégal, tous les activistes vont se lever pour demander des comptes. Et ça va être le départ de son corps à la primature. Notez-le très bien. Parce que c'est un signe que les magistrats ne sont pas indépendants au Sénégal.
Vous savez pourquoi Toumba est venu en Guinée? Il a été extradé en Guinée? Non. Il y a une convention entre la Guinée et le Sénégal. Et Cheikh Sako est allé prendre des engagements fermes auprès du gouvernement. Pour dire qu'il va bénéficier d'un procès juste et équitable. Oui. Et sa vie ne sera pas engagée. Et deuxièmement, il y a eu des voies de recours. Mais ce que les gens ne savent pas, l'histoire, Antoine n'a jamais jugé le dossier de Toumba. Non. Il a toujours exilé. Ça a mis le gouvernement guinéen, la crédibilité du gouvernement guinéen, sur la balance. Le Sénégal a ratifié tous les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, le procès juste et équitable. Et d'ailleurs, s'il a commis une infraction, soi-disant infraction entre guillemets, oui. Est-ce que ces infractions-là ont été commises où? C'est au Sénégal. En Guinée où? Il est domicilié où aujourd'hui? C'est au Sénégal. C'est au Sénégal, oui. Mais s'il a un complice, peut-être c'est au Sénégal. Ici, là, un coup a prévenu, c'est au Sénégal. Mais demandez-moi quelle est la juridiction, comment, quelle est la compétence de juridiction guinéenne pour juger un dossier comme ça? Qu'est-ce que Antoine n'a pas dit sur le régime de l'Ansana Conté quand il était en France ici? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit au Sénégal là-bas sur le gouvernement de l'Ansana Conté? Pourquoi on ne l'a pas extradé? Extradé, oui. Pourquoi c'est Koukaba qui parle tous les jours, attaque le régime, pourquoi lui n'est pas extradé? On se fiche des gens. Oui, on se fiche. Seul qui a parlé. Seul est aujourd'hui en France, il est en Europe. Oui. Mais pourquoi lui n'a pas été inquiété? Sous ce d'arrêt, il y a des dans la banque grâce à Mamende. C'est notre lâcheté qui a fait que nous sommes dans la situation là aujourd'hui. Alpha nous avait dit qu'il prend la Guinée où là où Sektouré a laissé. Oui. Et nous a laissé là où Sektouré nous a laissé en 84 aussi. En donnant plus de pouvoir au PDG et tout le pouvoir au PDG, même la mairie de Kaloum. On a voulu l'enquiller. Un yari. Et on a voulu l'enquiller. On a voulu l'enquiller. C'est ce que je vais vous dire. Le chemin ne sera jamais expliqué. Non seulement Bangui Kélémané Dakar, nous allons marcher sur leur truc là-bas, mais tous ceux qui sont à l'ambassade là-bas. D'abord, pas tout ce qui est à l'ambassade là-bas. C'est un cousin à nous. Mais vous l'avez vu avec Bigot. Il n'était pas un partisan de troisième mandat. Oui. Pourquoi on a roulé puis? Pourquoi le Guinée n'aime pas la vérité? Amara a dit qu'ils ont pris le pouvoir parce qu'il y avait des gens de troisième mandat. Et que le pouvoir était comme ça. Amara voilà. Anana voilà. Il m'a tout espace, nous. Oui. Maintenant, ça, c'est pas les recyclés de troisième mandat. C'est des recyclés. Mamadi Moule Falagombe a acte. Amara voilà. A contraire, on n'a pas arrêté la mandat. Anana voilà, Moule Falagombe. Quand on a fait la femme, il n'a pas tout, mais il n'a pas militant qui est fait, il n'a pas des femmes. Mais rien, mais vous avez un famouna, mais c'est là. Quand vous avez un famouna, il y a un famouna. Comme il est tôt, il y a un famouna qui est arrêté, vous voulez faire la bombe, parce que vous avez un famouna qui est là-bas, qui est là-bas. C'est la première fois dans l'histoire d'un coup d'État, les gens qui gèrent la Guinée ne sont pas connus. Oui. Officiellement, on n'a pas donné leur nom. Mais on a voulu non plus. On continue. On est dans la roue. C'est tout. Les gens de tous ceux qui ont fait le troisième mandat. C'est le même personne. Celui qui est là-bas, attends. Tu l'as vu insulter Sédou. Quel m'a roumé à tous le compliment. Oui. Patrice Kamara. Il m'a roumé. Non, roumé.
Là, il y a un ambassadeur là, dans un régime qui veut le changement. Mais enfin, quand même, il y a un tombeau là, il y a un colonel là, et un garçon spécial à Kindia. Allez. Mais c'est le père de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Sissi. Nana, délégation spéciale Kindia. Tu as compris? Non, comprends, moi tout le matériel. Voilà. Kindia qui est là. On vous écoute. Alors, Nana, je l'ai connu. Alors, bien sûr, Bimbarfa. Elle est connue. Elle est de quelle partie? Société civile en Guinée, il n'y en a pas. C'est une société civile gérée par Dansa. Appendiste des partis politiques. On a roulé dans le pays. Au minimum, la Guinée, au minimum, tant qu'on a combiné excentrique, au minimum. Je te garantis que le Sénégal que je connais, avec les recours en bons et demain, et il est temps. J'ai le numéro de sa femme. Demain, demain c'est dimanche, lundi, nous allons nous organiser. À la prochaine, là-bas, mardi, nous allons interjeter à peine. Et après, on va constituer une équipe de choc pour aller défendre le dossier. Ne vous inquiétez même pas. Même s'il n'est pas le statut de réfugié. D'abord, il fait partie d'un parti il a été menacé en Guinée, c'est pourquoi il a pris toute sa famille, il s'est réfugié en France et au Sénégal. Oui. Et ce que tu ne sais pas, trois semaines avant, tu l'avais dit de quitter le Sénégal. Ah, Guinée, ça fallait Ramah, ça fallait. Moi, il me rapproche pas son. C'est pour te dire que je suis informé. C'est mon fils. C'est un ami à mes enfants. Voilà. Alors, Mali. Voilà. C'est juste. Il est temps de réunir les moyens nécessaires. Parce que c'est pas lui seulement. Mais tout ce qui peut protéger les activistes dans leur boulot. Qui défend ce pays, parce que depuis 1958, ce pays n'a jamais connu le respect des êtres guinéens en Guinée. Violence, tuerie, arrestation arbitraire, pendaison sans motif, ça, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on trouve les moyens. Vous, les hommes de droit, réunissez-vous tout ce qu'il nous faut et mettez tout pour protéger les Guinéens et leurs biens contre la force du mal. Trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête. Mayou, il faut arrêter, mon frère. C'est trop mon frère. Ça. Oh. Mayou était au Maroc. Je sais. Pourquoi il est parti au Maroc et ce qu'il faisait au Maroc, nous allons dire ça aussi un jour. Tu sais, la faiblesse de notre opposition, oui. Elle n'a pas de réseau. C'est-à-dire, l'opposition n'a pas de réseau. Non, n'a pas de réseau. C'est-à-dire la Guinée est infiltrée. Et la porte d'Alpha, il avait les réseaux. Ce n'est pas son parti qui était sa force, c'était les réseaux. Alpha était représenté jusque à la présence. Il était représenté par qui et qui au temps de la Tarakoti. Je vais te citer chef de cabinet civil, Toya Kondé, Panta Toya. Elle était militante de PDG de Alpha. Kabassan Babi était à la présence là-bas. Quand tu pensais que c'était le fils de son ami, il était là-bas. Écoute-moi, attendez, je vais les citer. Un à un. Bouchino. Qui? Fanoukola, qui était à Abidjan. Gauchement. C'était un pion. Kera, c'était un pion.
et ainsi de suite. Pourquoi notre compte était affaibli? Keira, Gozimo. Qui a vu Gozimo, Fabi Kimoukamara. Il a porté même les trucs de Alpha Condé, il a été député de Dingray, non? Il a toujours dit qu'il est neutre. Mais qui m'a porté, hein, comme on le dit, les maillots, après avoir trompé dans l'un et l'autre. Vous savez, c'est pas possible. So Alpha avait ses racines partout. Partout. Dans le gouvernement. Et ça, d'abord, prenons l'armée. Les Namori étaient à Kidia. C'est comment qu'on a été. Et ainsi de suite. N'oubliez pas là-bas, n'oubliez pas Bébé à Kosia. Idi Amin, tous ces gens-là, c'était les pions d'Alpha. La gendarmerie partout. Prenons la fonction publique. Prenons la justice. Quelle est et Alpha Sini, l'agent judiciaire actuel. Tous ces gens-là, c'est des produits fabriqués, démocratiques et autres. Tout ça, c'est des gens qui ont été dans l'UFR, qui donnaient des trucs. Maïdi Haribo. Et je vais te dire quelque chose. À la Banque centrale, Maïdi Haribo, l'actuel ministre des Finances et autres, étaient des jeunes qui faisaient semblant de travailler pour la Tarakolti. Mais ils étaient, ils voulaient mettre un syndicat à la Banque centrale. Tous ces gens-là, c'était des produits d'Alpha Condé. Fasciné, c'est là, hein? C'est... Mais oui! Écoute-moi, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Là où il était, il ne devrait pas quitter là-bas. AFME. Parce que c'est l'actuel, l'ancien gouverneur qu'il avait envoyé au Ghana. Et après, il a eu. Et tout. Parce que la monnaie commune là, l'autre monnaie, et qu'on devrait faire Guinée, Ghana et autres là au niveau de la CEDEAO, et Gambie et autres là, deuxième jeu de monétaire, et lui il a suivi des formations pour ça. Il connaît 22 pays. Pourquoi il revient encore dans le gouvernement? Ah, et c'est l'ami de Maïdi Haribo. Mais c'était tous à la Banque Centrale. Lui il devrait être aujourd'hui gouverneur de la Banque Centrale. On le met là-bas, il va rentrer dans les magouilles. Après, ils vont salir son dossier comme Ousmane Doré. On a débouché au Fonds monétaire international pour le mettre dans le gouvernement de Kouyaté. Et c'est eux qui ont pris notre argent à la banque, au Crédit Suisse, pour l'amener BNP. À la banque. BNP Paribas. BNP Paribas. Pas aussi. Voilà le problème. Alors, je l'avertis aussi, il va tomber dans le piège. S'il ne fait pas doucement, il n'a qu'à veiller sur sa signature. Hein. Sinon, sa carrière est foutue. Il ne peut plus aller nulle part. Or, il avait la chance d'aller jusqu'à être parmi les meilleurs cadres un jour de la famille. Mais il a été piégé. Alors, c'est pour te dire que Alpha avait ses réseaux partout. À la présidence, Marx encore était le pion de Alpha Condé. Il était à l'administration contre les grands projets. Kassori était là et le pion de Alpha. Et Marx encore était sur protocole. Heureusement, Jacques Chirac a dit à la Salakonti. Donc, sur protocole, il est bien. La Salakonti a compris, comme c'est des militaires, il dit il est mauvais, il l'a enlevé. Mais il a raison. Sinon, ils allaient bouffer Conti. Et la preuve, tout ce qu'il a dit, les manigas qu'il a fait contre la Salakonti. Avec Alpha et Kouyaté, il ne l'a pas dit lui-même. Oui. Mais comment tu peux croire à des gens comme ça maintenant? Non, c'est des fous. C'est fini. Moi, ma confiance, elle était une seule fois. Oui. Deux fois, c'est foutu, c'est fini. Alors, c'est pour te dire que c'est pas bien. Et je vais te dire quelque chose, Alpha avait les réseaux partout. Même les anciens combattants, les anciens, ainsi de suite. Et quand il est venu, Dara et tous ces gens-là ont été encore recyclés. C'est ce combat qu'il a fait avant qu'Alpha ne prenne le pouvoir. Et Kirby aussi, hein, n'oublie pas. Non, mais Kirby était avec Alpha, ça fait longtemps. À Besançon, c'est Alpha qui avait dit à Kirby de rentrer. Il devait rentrer ensemble, mais il a refusé. Lui, il est parti. Mais les Bilara, t'es mis à rien, la Guinée, là. La preuve, c'est que
Et quand Mangaya sont là, ils t'en sont. Oui, j'ai la vidéo là ici. Là où Kirby parlait. Ça, mais qui a ramé ce qu'il a dit. Il y a un qui m'a posé la question la dernière fois sur ta page. Ousmane Conté Tarotine avec. Je vais faire une émission spéciale sur ça. Ousmane Conté. Papé Siba. Mouseba. N'arrive pas à me dire. Tu as la plantation fourrie, il est venu. Et puis, on a fait la compte rabot, il a manu tchana. Tana Diallo. Mais la plantation n'a pas la bas, il fait. Il m'a tiré. Ousmane n'a guéri. À la copie signée. On ferme la douzième. À Gongo Mati, le copain sera de mes filles. Mais on ferme à Dakar, on va faire le procès. Comme on a venu sur Dakar, on ferme avec le Sénégalais, avec le blanchiment. Moi, je m'en fous, hein. Je viens là-bas, et il n'y a qu'à là-bas, il sera là-bas. Et mon nom, c'est sera parce que je viens pour défendre. Il y a les Sénégalais qui quittent la Guinée. Le Sénégal peut venir défendre les dossiers en Guinée. On a vu. Voilà. Si le Sénégal aussi encore c'est ça, c'est une merde. Voilà. Et ça s'annonce très mal. Très très mal. Très très mal. Oui. Et je le dis à qui veut l'entendre. Ça commence par des combis. Yes, Sonko, tu commences très très mal. Parce que tu ne devrais même pas recevoir Mamadi au Sénégal pour faire quoi? À l'investiture de Diomaye Faye, le jeune a été élu démocratiquement. Et ce n'est pas un sanguinaire comme Mamadi. Toi, tu reçois Mamadi. Et d'après même les informations requises auprès des gens, même les Sénégalais, que les derniers mouvements de PASTEF a été financé. Ce n'est pas sûr, hein, par Mamadi. Comment tu vas unir notre combat? Parce que pour nous, son code était une référence en Afrique de l'Ouest. Tu nous non, vous l'avez pris comme une référence. Oui. Et vous serez déçu. Il faut demander le salaire qui demande d'abord. Et puis vous... Et moi, écoute-moi. Moi, ce n'est pas ce que tu dis qui m'importe, c'est ce que tu fais. Moi, quand je dis que je dois donner le droit à des femmes, il faut que je sois capable de laisser ma maison à ma femme. Oui. Là, même si elle n'a pas fait d'enfant, et je dis, là-bas, je vais prendre une chambre d'hôtel. Mais il ne s'agit pas de parler, tu donnes des droits à les femmes, c'est à toi de donner l'exemple. C'est tout ce qui nous a manqué. À part là, ça a compté. Il faut être référentiel. C'est ce que Khalifa a dit dans son discours, mais discours rédigé par Maître Mounir. Le discours que Khalifa a rédigé, que son âme repose en paix, c'était un discours démagogique. Ils ont déchiré. Et comme il était en position de faiblesse parce qu'il y avait l'affaire d'argent, et si je mens, que Mounir me dit que c'est pas vrai. Qu'il mette sa main parce que les musulmans, sur le Coran, il me dit que c'est pas vrai. C'est comme ça qu'ils ont rédigé le discours là. Ils l'ont donné à Khalifa et Khalifa était obligé de lire. Mais pourquoi tout ça là dans notre pays? Pourquoi? Parce que les gens ne disent pas la vérité. Parce que si toi, Malik, mène un combat, moi, à base, je prends ça, j'en fais mon problème. Et pourtant, ce n'est pas moi. C'est l'honnêteté intellectuelle. Quand Alpha a dit que plus le mensonge est gros, plus la Guinée y croit, ce n'est pas Alpha qui a dit ça. Ça a été dit par le ministre de la propagande de Éclair. C'est l'ignorance qui nous amène dans tout ça. C'est le ministre de la propagande, Gobert, qui a dit ça. Plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Le peuple y croit. Où est la Burkina Faso, la Marocaine? Mais nous, c'est ça, la force de l'atome. Et on se colonie. Voilà les cas des Guinéens qui se disent intellectuels. Alors, Alpha, dans les conditions normales, la plagie, il doit dire oui, comme dirait l'autre. Vous savez, c'est une déception totale. Parce qu'une alarme rira. Et puis,
Par après, il fait ça à Kanyeli. C'est-à-dire, tu trouves le contraire. Manje Jibate, Manga Bileng Ama. Ou retiré Jibril Ajira Fekoui. Quant à mon frère, moi je ne rentre pas dans les détails comme les autres le font. KPC, retire-toi. Rafefe Jibril Soto Itanara. Ce que nous faisons là, ça va dans l'intérêt de tout un Guinéen, y compris vous-même. Parce que en fait, Famalonare, on tama ou Jibril ma, c'est le même combat. Faut arrêter. Au mini, il fait modèle qui. Oui, Ousmane. Ousmane, on a dit cela. Ami. Awa, marhaba. Awa, merci, Salma Fom. On a. Donc, la troisième jour, on a un frère, parce que la Guinée Cabrine Kérénara. Et je respecte tout un Guinéen. Mais Rifindi, responsable, il a gestion publique, oui. Il n'a déconné non dit Falamane, même si tu es qui. Mais là, il faut la KPCB de se retirer dans les faux programmes en Guinée. La Guinée Cabrine, d'abord, vous allez m'excuser d'abord, Ngaïbe Bana. Il paraît-il KPC a action, même ses immeubles en ville, Amara cherche à détruire parce que Emo a la loi et a fait son nom. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, et poussément, parce que Amara a été humilié par le jeune Hadji Aranyengefe en passant par l'ambassade de Guinée au Sénégal, Mandio Diabaté, que sa femme est de même père, même mère que la femme d'Amara. Ah, Wele. Nanara, ce n'est plus maintenant un problème de convocation ou de plainte entre KPC et l'autre, mais plutôt un problème, c'est-à-dire un règlement de compte qu'on gère, qu'on veut gérer entre État et État. Et. Oui, mais je sais une chose, le Sénégal, c'est un pays de droit et de respect des êtres au Sénégal. C'est pourquoi d'ailleurs, ils nous ont montré ça. Sinon, Sonko n'allait pas être ou Diomaye n'allait pas être président au Sénégal. Je ne pense pas si le gouvernement sénégalais va suivre un malhonnête comme le président de la République de Guinée, qui a tué les gens, qui continue à faire la répression économiquement, qui a du crime du sang, que Sonko voit ça. Non, attends. Et on rapatrie quelqu'un qui défend son pays, qui a le droit de défendre son pays, parce que, regardez combien de personnes ont trouvé la mort en Guinée, autant d'Alpha et autant de Mamadi. Sonko ne voit pas ça. On va envoyer les photos et les vidéos à Pastef de voir si Sonko devrait inviter même le gars au Sénégal. Ça, c'est de réduire la crédibilité de la démocratie sénégalaise. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter, mon frère, mais Mayou, c'est une Jibril à tout. Enfin, Ils ont utilisé KPC pour mettre sa main à Jibril pour le détruire. Non, sinon. C'est un coup d'œil.
Et l'ambassade est associée. Il m'a sorti le micro là. Mon micro s'en fait faillir. Oui, mon mari, oui, mais. On a fait une énergie, il fait une énergie. Parce que là, je me souffre très 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 fort du pasteur. Je ne rapporte pas, après ma vie. Surtout le demain, pas rapporte. Oui. Ouais, un Sénégalais, un Guinéen Sénégalais. En Guinée, il est en Ara, en Ara, Sénégalais. Allô, Mohamed. Donc là, avant il est Guinéen. À tout. En tout cas, il y a une école à Bamana, tout le monde le fait à Bamana, à Rani, Dakar, voilà. Oui. À l'essai de Dakar, il est. Donc, là, il nous demande à Faye, à Papa, il est là. Il nous demande à Faye, c'est le cousin. C'est le cousin bien fou dans le Rani, là. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non. Alors, il y a un problème de Rani, il est pasteur par campagne. Il est pasteur par campagne, il est pasteur par campagne, il est pasteur par campagne. Comme il dit, mais on va même bien dire que ma fille, parce que petit dans la grande, a fait que la bénédiction dans la colo, il est très proche du commandé, il est failli, il ne faille pas. Comment la comprendre là? Donc, on a trouvé là, et c'est pas qu'on a un demain faible, directement, si je n'ai pas de félicitations là, je n'ai pas de félicitations là, toute la félicitation est là dans la main. Parce que, comment même il y a, on est misé. Est-ce que nous avons visé 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 nous. Parce que quand crime m'a dit, Le programme n'est pas là. Parce que ce n'est pas la base de la parole. Encore, le même question est comprendre. Démocratie souterraine, la femme a dit, diplomatie souveraine, souterraine, maman. Tout ce que vous défendez là-bas, ou même les mafias de Guinée là. Vous allez le rendre là-bas pour les bonnes choses, pour la bonne manière. Et quand vous allez pour lui, pour détruire les gens, vous allez le rendre là-bas de Guinée. Nous combinons là-bas. Il n'y a pas la pasteur pour le leader. Sans gore, il n'y a pas la pasteur. Il y a eu l'état fédéral là. Après sans gore, il y a eu un mouvement. Il y a eu un passage. Il y a eu un passage. Il y a eu un passage. Il y a eu un passage.
Et moi, comme on est, et bien, pour moi, parmi les débats, c'est vrai, là, le pas de Sénégal. Je veux dire, c'est le Sénégal, de tous les mêmes Brésil ici, c'est à Tapoli. C'est ce peuple qui insulte le Sénégal ici, c'est ce qui est. C'est le même groupe. C'est le seul cas de ce touriste qui s'est pouvoir actuellement. C'est ce que les gens ne passent pas à comprendre. Que nous sommes dans une dictature, dans une macabre dictature. Le militaire, le responsable du pasteur, doit mettre ça à l'idée, en tête. Il doit comprendre cela. Qu'il ne doit pas collaborer avec le régime guinéen. C'est un régime. Une régime sanguinaire. Un régime sanguinaire. Oui. Un régime de répression. Qui le cherche. On va faire un magouille. Il est malade. Mais, il y a une sécurité en moi. Et là, il y a une sécurité. Parce que pourquoi vous avez doute de la mafatie? Demain, il va y avoir des pièces liées. Juge, il est là-bas. Alors, juge, il est là-bas. Le juge, il est là. Mais, on va faire un malade là-bas. Il va dire ça. À la barre, il est là. Il va goûter le bas. À mon moment, dès que le juge est là-bas, dès que le ramène est là-bas. Comment on appelle ça? Mettre là-bas, ça a terminé, il est là-bas. Les termes judiciaires, là. Mais elle est là. Décision même, elle n'a pas justice décision même là-bas, elle n'a pas même. Décret elle n'a pas même. Donc, avant l'acte, elle est l'acte illégal. Elle n'a pas même pas même. Donc, nous, clairement, on à force de et que dans la même loi, ça va être et là, l'île est stable pour la fille. Normalement, l'île de la situation dans laquelle elle a agi, elle a construit une extradition. Vraiment, c'est encadré. C'est vraiment encadré. Mais l'île en a dit, le sujet dans la patrie. Pourtant, il y a une protection internationale. Protection internationale. On lui met pour tout le monde, la chair, pas de la chair. Pas de la passeport. Passeport de réfugié là. En tant que passeport, on va dire qu'il y a une vie. Donc, nous, on a ramené la vie normalement, dans les conditions normales. Et on a que nous, Afrique, l'État, mafia, on a ramené la France, on a ramené. Pourquoi il est coutume? Pourquoi il est coutume? Parce que, il va falloir décision de l'État, décision pas de l'État, parce que vous avez la pouvoir de l'Ali. Voilà. Donc, nous, c'est un tout ce qu'il y a pour le Dakar. Vous avez oublié ça, Dakar. Mais, oui, il faut voir comment il a été reçu. 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 Et bien, nous, le Tina Sambari a aussi, à la nécessité. On a un ancien PDG là, on a tout le Tina Mère. Mais, c'est pas ça. Hein? Qui m'a la mission? Qui m'a été la mission là? On va vous dire. Et là, vous parce que vous voulez être là-dedans, on est sur un tribunal là, de la filière. Et puis, vous m'avez été dit, allez, on va vous dire, parce que tu n'as pas mis mal. Hein? Comme on avait dit, si c'est vous, ça va être dit, c'est le Tina Mère là. Hein? Il n'y a pas de chasse spéciale, il n'y a pas de chasse spéciale. Il n'y a pas de chasse spéciale. On va dire qu'il n'y a pas de chasse spéciale. Il 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 n'y a pas de chasse spéciale. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais nous, on va dire qu'il n'y a pas de chasse spéciale. Il n'y a pas de chasse spéciale. Ouais, pas de chasse spéciale. Parce qu'il n'y a pas de chasse spéciale. Parce qu'il n'y a pas de chasse spéciale. Non, non, non. Il n'y a pas de chasse. Donc, madame Bilalema, sous ma bannière, la caméra, c'est là. Donc, on est dans le monde, on a des gens qui ont 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 des gens. On a dit pas jamais. 2024, on a dit. Dit que le malade qui dit Anila, la Guinée. Alors, ma fille dit Anila. Après, nous voyons Anila. Donc, pour le moment, on a dit, 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 on a
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Inouali Alara Baray Fima. Rina Yeti. La Guinée défend du fait pour la restauration des droits humains, pour le respect des Guinéens. Prépare-toi. Il a dédé. Il a colon. Il a guéri. Mais rien n'est dit. La Guinée défend du mal. Il a défendu escroc d'Ari. Flatter quelqu'un. Et dire un mot, fuck a shit. Non. Il y a un mot, non di nara. Mais il y a un kramana d'ari. Il y a la Guinée qui a défendu fait tes incomplices. Mon rio m'a tourné, quand il y a mal là, n'a pas fait la Guinée là. C'est pas possible. Quand il y a un faut qu'on se dise la vérité. Manyo, avec tout ce que j'ai pour vous comme respect, si c'est comme ça, je vais tout gâter. Et à KPC, avec tout ce que j'ai pour vous, comme respect, si c'est pour détruire tes frères, je vais tout gâter. Ça, je te préviens, je vous préviens. Et gare à vous, hein, si quelque chose arrive aux jeunes, là, on dirait Manayar, ça, je vous préviens. Oui, M. Bangoura. Je remercie mon frère. Il a dit la vérité. C'est quoi ça? C'est les magistrats de Sien sont inamovibles. Ça veut dire quoi? On ne peut pas les déplacer, les affecter, les rétrograder sans l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ok. Il n'y a qu'un rarang. Il y a des gémeaux rarang. Il y a des gémeaux rarang. Il y a des gémeaux rarang. On a Luna. Je vois quelqu'un qui dit que demain il y a un pouvoir exceptionnel. Mais attendez, dans un régime normal, il n'y a pas de pouvoir exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est comme madame Mini, on peut trouver tous les moments de rencontre. Dans un pouvoir normal, dans une république normale, les élections ont été faites, la constitution est là. Il ne peut pas déplacer des magistrats. Ce n'est pas un régime. Hein? Exceptionnel comme la Guinée, coup d'État ou bien un régime de quoi? Quoi? Parce que la Guinée a été toujours un régime d'exception. Le Sénégal, c'est un régime normal. Il y a une constitution qui définit le pouvoir du président et qui fait la séparation des pouvoirs. C'est un palanciste. Non, c'est pas la Guinée, ça. C'est le pays. Le pays qui a commencé à voter, ça fait plus d'un siècle. Oui, avec le pouvoir. Le palafier. Oui, non, maman. Oui, on a voté. Le pouvoir exceptionnel, c'est quoi? Amma, on a dit, attendez, on a fait un rapage. Le pouvoir exceptionnel, c'est quoi? Arrêtez, les bimbi, quoi? Le faux compte, là. N'importe quoi. Arrêtez un peu. Vous pensez que, vous avez un avis de bruit? Vous avez un avis de Catherine Matima? Excusez-moi, on arrive dans le cadre bâtiment parce que c'est pas de l'enfermement. On n'a pas pu donner un bâtiment. Ou bien, les femmes m'ont excusé. On n'a pas pu nous quitter une idée. Ami, là, c'est la couette, n'a pas revenu là. Tu n'as pas connu. Là, je vais donner le diplôme à tout le monde. Je vais donner l'éducation sera gratuite. C'est allé à Moussier. Vous voulez pas là? On n'a pas pu dans l'école. Hein. Le populisme. Non. Voilà. Quand les gens là sont venus, Sonko a dit quelque chose. Il donne combien de temps à tous ceux qui ont des prétendants dans les sociétés de se déclarer. Et c'est quoi? Si moi j'ai l'argent tout à l'heure, je suis avocat. Non, vous de bien. Je t'ai créé, hein, ça va être là. Nous avons majoré, moi.
ne travaille pas dans le gouvernement. Comme dans notre temps, oui. Nous avons pris une action pour travailler dans une société. C'est interdit. Non, pas du tout. Non, non, tu l'as dit, là, ça va. Mais dans mon intérêt de ma vie, je peux gérer les biens de ma famille. Si ma famille a 5 immeubles, 7 immeubles à Dakar, je peux les gérer. Et une société civile immobilière, c'est interdit. Mais on va nous. Alors, on va voir un peu. Jamaï, avant de devenir président, il n'avait pas sa plantation. Il avait sa plantation. Mais il a eu comment? Il a eu 10 mois. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'en tant que président peut gérer sa plantation? Non, il faut qu'il donne à quelqu'un. Il va donner à qui? À un de son frère ou à un membre de sa famille. Ah, alors, oui. Non, le jeune veut s'inscrire. Dans... On a fait dans un pays qui, avant que Trump ne devienne président, il avait sa société, non? Bien sûr. Il s'est retiré de la gestion. Ça, c'est pas prêtement. Prêtement, c'est quoi? C'est celui qui travaillait, tout, celui qui a travaillé dans la gestion, qui a géré l'État, qui a été tout fonctionnaire, et qui dit qu'il a des sociétés de pêche. Et lui-même, il dit que c'est d'être des prêtements. Il a travaillé avec un tel. Conflit d'intérêts. Il travaillait pour lui. Voilà, les prêtements. Mais si tu as commencé par le privé, mais tu as ta société. Non, mais là, on avait la Guinée. Anna Provo, et bien, on a fait avocat là. Mais Anna Provo, ma société là-bas. J'ai créé, il a été consulté, j'ai créé beaucoup de choses. Mais on a qui? Et bien, là. Mais ça, c'est bien que, moi, je suis allé à Algérie, il a un profil, il a un bénéfice. Il a un prêtement qui a fonctionné. Il a une société créée, qui est ministre des Finances, il a une société de pêche créée, il a dit à ton gars qui était mort. Tu l'as même mieux, Thomas. Non, n'importe quoi. Les gens qui confondent le palu et la fièvre typhoïde, où est-ce qu'il y a un ami? Ne passez pas votre temps sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'il y a l'école? Vous avez besoin de vous remettre à jour, y compris vos juristes. Dans la langue, là, parce qu'on n'a pas la main, c'est n'importe quoi. Pas toi, ainsi de suite. On ne connaissait même pas la définition des termes juridiques ou les termes économiques. C'est grave pour ce pays. C'est l'ignorance qui nous fatigue. C'est ça la vérité. Tout le monde se plaint pour le savant. Même les imams, 80% sont des ignares. Vous voyez la parole, vos griots, 80% sont cultes, ils ne sont pas cultivés. Mais attends, il ne faut pas nous dire des choses insensées. Vous n'avez pas envie d'en mettre dans la route, non? Je ne peux pas vous critiquer. Vous avez bien, les magistrats sont inamovibles. C'est que mon frère vous l'a dit. Tu ne peux pas déplacer un magistrat du siège et l'affecter, le rétrograder sans l'avis du conseil suprême de la magistrature. Ouais. Vous pensez que le Sénégal fait l'exception? On a garanti. Parce que l'Alpha est venu. Il a commencé à nommer, il a renvoyé Paulette. Il n'a pas là, alors il a tombé à sa place. C'était comme ça que le PDG faisait. Et il a travaillé comme ça, même père, même mère. Il a venu au car ici. Non, mon. Oh, il m'a dit, là. Il fallait bien que. Ils ont déclaré la guerre, on va les déclarer la guerre. Ils ont déclaré la guerre, la démocratie, on va les déclarer la guerre. Tout ce que Capice a eu, il a volé en Guinée. Il n'a pas travaillé, il n'a pas hérité quelqu'un, il a eu des contrats. C'est le 28 septembre, il a eu 3 contrats sur là-bas. Aucun n'a été exécuté. Oh bah, vous n'avez pas le fait de rêver. Vous n'avez pas le rêver. Vous êtes raillé là. Papa, vous êtes raillé là. Il a volé la Guinée. Des contrats sous-facturés. C'est quoi? On a dit, il est venu en Guinée avec quel diamant? Dans les conditions normales. En Guinée, lui, il a tombé, il a tombé par où il a sa combat, la manière à poursuivre. Tu as travaillé quand il s'est fait. Il y a combien de milliards?
qui est bloqué là, bon, c'est l'argent de la Guinée. Non, non, non. C'est l'argent de la société de l'Union de Pétrole. On a freiné, comme la ligne qui est renoncée ici. Tous les biens de change là devraient être fermés. Et puis je vais te dire quelque chose. Tous ceux qui sont au niveau du ciel, qui ont participé à la rédaction de la Constitution de 2010, qui sont en train encore de faire la même chose, vous serez tous jugés en Guinée pour haute trahison. C'est ça la vérité. Quand on a dit la fin, quand on va avoir un leader qui va passer par là, mais je veux. Mais oui, c'est la manière en bas. Quand il dit qu'il mourit en bas, c'est tout. Vous savez maintenant, ma pauvre l'agnéra. En ce moment, Bangoula n'a rien. Pas du mal. À coup, le PDG a aboli la conférence nationale de la compte qui a refusé. On va parler de bon. Mais, on a été là. Et là, c'est l'âge, mais pas, vous ne savez pas. Conférence nationale. Mais on est allé à la Guinée. Mais vous étiez la conférence nationale. Maintenant, c'est le PDG qui est au pouvoir. La conférence nationale organisée là. On a un pouvoir seulement. On comprend que c'est notre organisé. On m'a dit, il dit qu'il est de PDG, non? Quand? Oui. Mais on comprend que c'est notre organisé. Ça, on a pas au fond. Moi, Batou, comprend que c'est notre organisé. Moi, on a pas appuyé. N'importe quoi. Il n'y a pas de problème à vous en oui. Il n'y a pas de problème à vous en oui. Il n'y a pas de problème à vous en oui. Il n'y a pas de problème. Il plaît à la bas. Mais moi, c'est Bangoula, vous l'avez. Mais il te voit à ton goût. Avant de venir, c'est pour le canard. Oui, oh. Tu n'auras bien soleil? Non. Non, il faudra rouler, il faudra rouler. Wallahi. Nagbeg, il faudra rouler. Et puis, Basco, il faudra rouler. Mais vous n'allez pas rouler. Avant de venir, c'est pour le canard, c'est camarade. Il faudra rouler. Il faudra bien soleil. Il faudra rouler, non? Oui. Parce qu'il y a une guerre qui s'est amenée. Vous qui n'avez un. Pour le taux, nous avons parlé de l'Alpha 3e mandat. Pour le budget de Valama, je n'avais pas de mandat. Un des trucs de. Non, je n'avais pas de mandat. Un des trucs de. En ce moment. Nous avons parlé de l'Amina FTG. Quand on a parlé de l'Amina FTG. Non, non. Pour le taille, là. Ok, attends, vous n'avez un tel mal. J'ai pas venu. Quand tu as ma pierre là, oui, non, pas la mienne. Non, pas la mienne. Non, dis nara. Non, dis nara. Attends, quand Bangoula, Bangoula est mal parce qu'il n'est pas l'enfant de ma fille Bangoula, c'est un enfant adopté. Oui, à ce moment, tous les voir les fabriques. Bangoula, mal. On a un moment de rôle, on a un moment de rôle. Où le fallait. Donc il dit amène son camarade Mara, hein, on a moi camarade. Non, après le mec qui. Ah, il fallait être là, colo. Ça. Mais là, t'as Bangoula Mara. Ma foule Bangoula n'a pas tout bon. Ma foule Bangoula, dit que j'ai là. Quel est le ministre, ma foule à clé de l'arrêt. Si le courageur a, papa l'a fait la rumba, on a un mouvement de rôle. Tout le monde est vérité en Guinée. Pas grand bien, on a grand bien tourné là. En dire, on est du plantier. Pour nous, il fallait bon, il m'a recompris de se réorganiser. Ça, on ne verra pas. On ne va pas faire d'aller dans l'arme. Il m'a appelé à plus de gens, non, c'est un dérobement. Alors, c'est raconté. Il m'a appelé au camp, on ne va pas organiser. On va prendre une dans là-bas. Mais, parce que Moussa Diakité, qui était président de la commission, Maman Miketa, il dit, monsieur Tabine, vous n'avez pas eu là. N'importe quoi. Là, ça n'était très jeune. On va voir les habitués, là. Mais je ne sais pas, pas la vidéo. Alors, il y a femme, ben marié. On n'a pas fait, mais c'est fini. La Guinée, c'est fini. Je te dis qu'il y aura une transition en Guinée. Une vraie transition gérée par les civils. Amoura Bangouli, ben n'aura pas la vidéo. Maintenant, parce que. Non. Ils sont en train de dire que la Guinée est attaquée par les terroristes et suspendent les partis politiques. Le terroriste, le premier terroriste en Guinée, c'est Idi Amin.
et Mamadi, y compris les Amara et autres. Non, Amara, c'est des terroristes. C'est un narco. Tout le monde le sait. Tout le monde sait ça. Amara, il va être jugé en Guinée. Il n'a même pas le niveau. Il n'a même pas le brevet. Oui. Voilà. Quand il était au Maroc, il était sur... sur Arama. N'importe quoi. Arama Barantengi, le Romain, le Boulet, le Romain, a dit que le Marocain n'a pas là. Le Maroc n'a qu'à être ouvert avec nous, hein, parce que moi, je vais demander à l'État marocain, n'ayez jamais un diplôme, ça, à ma disposition. Ça se fait là. Parce que ici, on a compris qu'ils n'étaient pas de docteurs, c'était des feux. Non, 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 dis-là. Asman n'est pas Bamoura. Asman, il n'est pas Bamoura. Le borgne est là. Il va parler dans une radio d'un narcotrafiquant. Et celui qui le dit, que cette tuerie n'a jamais menti en Guinée. Non, ma répondu Manama. Non, ma répondu Manama. Ma répondu Manama, c'est comme Rangouma Kana. Tandis ma compte. Ce que tu as dit que la dignité. Peut-être en harmonie, ce que tu dis, ce que tu fais. Pas ma répondu, si ce que tu l'as été. En harmonie, ce que tu dis, ce que tu fais. Avec les 12 milliards. On t'a m'a falardé. 17 milliards. 17 milliards de moins. Je l'ai dit. Oui. Et dans la que la Guinée n'était pas endettée. Oh non, on va rouler. Internet, vous voyez que la nous avons bandi la maison de Haïta Bafoul Bangoura. Ma tante. Pour un homme, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que faire l'idée. À part dit. On va voir l'Inde, il y a un moyen. Conférence nationale. Mais quand on a dit, mais autant moi, ma soeur, on a dit. J'ai le village, ça, ouais, Marek. Angaku Bagay. Maintenant, le reading, là, il a été géré, très lourd. Mais il a le son de l'Inde, on va réduire. Oh, ma moura, oui. On va provoquer. Vous voyez, ma oubé. Mais il y a tonton. Moi, quand le tonton vient de l'île, il a fait la rama. Oh, moi, oui, moi, oui, moi, oui. On a me provoqué. On a un rama, moi, mais j'ai moi, oui. Moi, je suis colo. Moi, je suis colo. Moi, je suis colo. Mais nous, on a fait la rama, on a fait la rama. Avec le PP, on a fait la rama. Ah, de ma farfé. Ah, on a fait le PP. On a fait le PP. On va m'en aider. Ah non, on va m'en aider. On va m'en aider. Ah non, il y a pas de rire. Pas que le mois, à mon temps, où on est réveillé à Estoba, à mon temps, on est tombé à la débâle, à mon temps, on est cuit. Mais avant de retourner à la cuit, c'est un policier qui conduisait le véhicule, le policier l'a vivé, en quelle manière j'en ai, à interview de l'Imanila. Pas m'en aider. Quand on a pas retourné en cuisse, c'est un policier qui faisait. Le véhicule a été saboté d'avoir mis la race au policier de Ira. Quand on a le syndicaliste, a été assassiné avec ma tante Adam Albert. Quand on a mis la race au policier, la vie d'habitat a été assassiné. Ben a été assassiné. Naouni a été assassiné. On a évoqué là. On est cuit. On est au Mali. Merci. Awa ire, on a créé, on va la faire des romains. Nous, bah, quoi, bah, la sauf, on a mené bri. On va maintenant tout faire la fée. On a créé, on va comprendre. On a créé, non, d'une enflamme. Et ma, il tombe. Il m'oublie ma, ou il n'y a pas. Il a bâillé, nara. Et je lance. Un appel auprès de tout un bon Guinéen. Rien à cui, rien à faire. On a fini de me créer Ibori Barakana. C'est dans la main d'un clan. Riwama, équilibre Nangoma. Ibori Ma, faut on a qu'il me créer, on a son me créer, on a non dit Rafa Ibori Ma. Quand Ibori Ma est estomé, et finalement, Arrête ma guérir. Oui. Et la Guinée a guéri ma gaou
afin maga ou de libérer abe na falo be parce que mire ra mire bara faga ibori ma trop par la complicité de nos dirigeants et garder un faux président, il faut le couper. Au bout de 3 ans, nous n'apportons plus le riz, nous prenons du riz pour nourrir la Guinée et vendre le reste au Sénégal et au Mali. Regarde-moi. Oui, fais-moi de l'imato. La Guinée, oui, fais-moi de l'imato. Un président de la République s'exprime comme ça devant toute une nation. Mensonge. Il soigne à l'hôpital. Est-ce que Wally Mdina, la Guinée, qui me drogue en matifi, il me rend min ton homme, n'a rien ni ma, il est soigné. Amouna. Allez, fais faire à Bama, ami Rai Fama. Il borri canafé. Qu'on a eu gendé. Parce que, fait un rabat, assis bourrin. Nanyo y bori kanari. Ifin de sabura yim refanye runakana. Rino ma yi bori tide krama. E lib d'expression naso bori kwi. I radua kulu isama yi damade nare. Nanyo na kanama. Ala rida nyanyari da. Regarde, quand on m'a montré là où Alpha se trouve, un président d'une nation. Il sera maintenant en verra. Après combien d'années de lutte? Hein? Matou, le gouvernement de l'Ansana, il avait ses racines partout pour saboter et détruire le pouvoir du gars. What's it, c'est mon résumé? Oui? N'a rien qu'un minimum, parce qu'il fallait aider le monsieur de construire ce pays. Vous avez refusé. Au barafa, au radé, au mbarneti, ne fa échoué mané. Et, au ratissé ma kina, fait ma salamana kina. Et finalement, à l'ayant manara manana, parce que, etni yomna besoin en randao. C'est pourquoi, moi, falafé, car Ousmane Sonko est là pour la vérité, ne devrait même pas recevoir Mamadi chez lui. C'est clair. Il voit tout. Et ce n'est pas maintenant qu'il faut demander une carte consulaire. D'abord, l'ambassade est illégale. Le président est illégal. Et vous voulez nous parler de l'égalité au Sénégal? Mais attendez. Est-ce que vous connaissez très bien ce qu'on appelle l'égal? Dans les conditions normales, est-ce qu'il doit y avoir un ambassadeur Guinée au Sénégal? Non? Et vous voulez nous parler d'une carte consulaire illégale? Parce que Amara est derrière, Manyou est derrière, et tant d'autres. On a Rabba, Amouyou Moura. On a fait l'oubé. Aura Wallis Wogblimre Fora. Il faut qu'on... Non, on ne va jamais arrêter de défendre ce pays. On ira jusqu'au bout. Moi, je respecte tout le monde. Et moi, je ne suis pas là pour flatter à quelqu'un. Et puis demain, je dis autre chose derrière toi. Non,
ce que je te dis aujourd'hui, c'est ce que je vais te dire demain. Arrêtez, il faut arrêter. On n'a pas de langue, on n'a pas de langue. Mais on détruit pour des choses éphémères. Parce que le pouvoir est éphémère. Et on a un peu parce que vous êtes tous illégal et vous voulez nous faire comprendre que le jeune est au Sénégal illégalement. Vous savez, dans les autres pays, ici aux États-Unis, vous avez combien de personnes illégales ici? 12 millions. Une femme à l'air. Illégale. 12 millions. Mais si les activistes sont là, des fois, on continue. Renabe, Rimoufera, Marafemilima. Vous voulez nous parler de l'égalité, légale, légale. Mamadi même est illégal. Vous savez combien de personnes que Mamadi a tuées en Guinée? Mayou, il faut faire attention. KPC, faites beaucoup attention. Fena en kouye ba matina, omuna kolon. Il faut nous rejoindre à construire ce pays dans la sincérité, dans la vérité, dans l'humanisme. Quand on a le pouvoir, il faut faire beaucoup d'attention comment et savoir comment gérer ce pouvoir. Quand on a l'argent, il faut faire beaucoup d'attention comment gérer ton argent. Il ne faut jamais attendre l'argent te commande. Pourquoi il faut passer par KPC de porter plainte contre Djibril Hadji? Pourquoi vous n'avez pas? Parce que le test a dit le propriétaire de ce problème, c'est était une chose. Charles, pourquoi? Non, comment? Faut pas vous redire jusqu'à ce niveau. Please. Alors, les Guinéens résidents au Sénégal, Wamassé Sonkobert, qu'il est là pour la vérité, qu'il est là pour donner l'exemple, être exemplaire pour la jeunesse dans la sous-région, qui n'est pas là pour promouvoir ou garantir le pouvoir des sanguinaires dans la sous-région. C'est pas possible. Le Sénégal a été toujours l'exemple dans la sous-région. Depuis le temps de Léopold Sédar Senghor. Mes cousins, cousines sont sénégalais, sénégalaises. Donc, il ne faut jamais donner la chance à des falfelus comme ça de faire du mal à nos frères. Non, au motif. Ousmane, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, dans la mer. Le Sénégal, c'est 300 ans de collaboration avec la France. 300 ans, il y a un premier salon français là-bas. Donc là, on a imaginé la culture nationale. Il y a un premier salon. Sénégal est un pays de l'humain. Les Français sont un pays de l'opposition. Ce sont les Sénégalais et les là. Les Kinaïs et Sénégalais. Ça me dit sur les Kinaïs. Et ce qu'il y a plus de nations sur les Kinaïs. Et là, ce sont les effectifs soldats Sénégalais et les là. Français et les commande, la conquête coloniale. Donc, il y a une normalement, culture est un pays là. Et nous, on dit que c'est ça. Quel est malin. Et comment vous voyez que les Français la constitution qui? Alors quoi, depuis les années 1910, nous venons voter pour l'eau. Nous venons voter pour l'eau. Nous venons dans là, et dans les 1800 filets. Nous, Français, nous sommes là. Nous sommes 1000 jobs là, 2000 jobs. Nous avons la semaine dernière, Afrique, mon Afrique. Afrique depuis l'Algérie. 2000 jobs. Amman, après les Français là, nous qui sommes là, à Bassin Galen, là, mais nous ne sommes jamais dans l'Afrique. Nous venons avant 1900. Donc, rien que nous votons là, alors quoi? Alors quoi? Alors quoi? Alors quoi? Alors quoi? Nous, on voit aller un petit moment, aller un certain moment là, j'y pense la pays. Là, quoi, il y a tout le monde à la maison là-bas. Non. Tout le monde a pris le crime là, il m'a pris le crime depuis ce temps.
Même les stadis. Les stadis, non, ils tournent un peu sur les filles, là. Crime. Parce que c'est un crime qui a été condamné par la Cour internationale. Oui. Mais agit crime normal. Agit, non. Agit crime normal. Non, un crime là-bas, il faut. Pas tout le monde, des biches roubouffées dans la rue. Il y en a, à finir la fête, j'en ai arrivé avec tout morceau de la justice. Parce que même si on a dans la rue, il est bon, on va pas là. Et moi, je vais dire, mais moi, on n'a pas de justice, tout le monde, il n'est pas la vie de justice. Donc, il ne faut même pas, il y a un homme, mais le mari, il n'a pas dit, ah, j'y parle à la Guinée. Ah, j'y parle. En femme. Et contacte tout que ce n'est plus qu'en femme. Et après, la pastèque, même, elle a du mal, pas une autre, sauf pour l'homme. Et nous, l'homme, justice, mais la Sénégal. Il y a une justice, elle n'est pas juste là-bas. Elle a une justice, elle est une justice forte là-bas, au Sénégal. Pas de toi, à venir faire la paix. Quand il dit, mais il n'allait pas à vous voir, Sénégal, il n'a pas choisi, il parle africain, si je m'en dis. Il n'a pas choisi, maman, il parle africain, si je m'en dis. Il n'a pas choisi, maman. Parce que le panafricanisme, c'est le populiste. C'est le populiste. C'est ce que vous voulez, vous ne parlez pas là. Que parler de panafricanisme, c'est pas là. Mais, à tout le panafricanisme, après, on dit, pouvoir réel, ma tienne, là. Après, il y a l'année, pouvoir réel, ma tienne, là, pouvoir exercer rapidement. En tout cas, ils doivent s'analyser. Ils doivent vraiment s'analyser et rapprocher de mal. Surtout, on est dans le roi, il n'y a pas panafricanisme, là. Et là, il reste la paix là. Et là, que Dieu nous va à pouvoir. Vous prenez la jeune. À nous, jeune Nigérian. Et vous nous demandez. Dieu nous bénit là. Et puis, on a mis 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 là. C'est un seul peuple. Et donc, quand je parle en bas, la vie est faite du cinéma. La vie est plus vieille. Et puis, il m'a raconté, il y a pas l'intérêt. Mais il n'y a pas d'une barre à cause. Si il veut se dans le monde. Si il veut se faire dans le monde. Et là, il va aller là-bas. Mais toi, tu vas aller là-bas. Et en bas, tu vas aller là-bas. Merci beaucoup. La confrontation n'a plus. Nakula feng suina afangafa anankulo avana sanafari concernant la situation de notre frère. Maintenant falama Bascotte Birimbe. Surtout Kindiake. Et Fari Mirinan être délégation normal ou délégation spéciale ou délégation fucking stupide mon maclo Amad Bato findi folo mera men wona radi kamune moy abule pa kamune moy na fena siga hasa sogeli kwi par la complicité d'Alpha Condé. Ah ok. PDG Nandor Menek, Eladji Mamoudou. O Tondi, Ye na Bori Runa Kanafene. Paga y na na Bascotto. Amuna région Yokui. Mais moura foré par lou, et feto rea tirara, ou roi rouma fala. Bon le foré ne roi, et roi rouma falama. Et rade rouma falama. Parce que raou noma, raou rouma falesso. Oui, là, comme on finit à Kanamara, c'est là qu'il y a une base qui a bénéficié. Autant fourré. Nous sommes mais toi, nous sommes là. Oui, là. Quel fait Mamadima, alors un groupe. Et puis, il y a un groupe. Et puis, il y a un groupe. À Kanamara, à modèle bien. N'a pas l'oubé. On a dit, il y a vraiment un groupe.
Kindia Fouré. Bascott Fouré. Wolandi Fouré, ben, a woulé nan kui. Il fait transition nan abadi. Mamadi Moufari, n'sa toura kanke madima, Sénégal. C'est-à-dire, il y a un NATO. Quoi? Il y a un ancien. Et, il y a la Maliki. Là, il y a. Mais, il faut l'arrêter. Vous avez écouté M. Bangoura. C'est autre Rambi. Il n'a la semaine nafa. Yati. Et tout l'ancien compte rapport Yaisu. Il n'a ma fanta Toya. Est-ce que Toya compte radi monaki? Gojimo. Un enfant attend chaque protocole à la présidence. Alpha Ibrahim Kera, est-ce qu'il s'est marié, l'ancien compte marié Denra, Alco, pour l'avoir davantage. Et finalement, l'ancien compte va pouvoir Birinkana. Les cassures hautes sont de l'autre côté. En train de jouer avec le Comora. On a un résultat, Naya. Ça n'a rien donné. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Que vous avez travaillé? Amana. Et les Guinéens continuent à souffrir chez eux. Et Bringa ou Lagneto, est-ce qu'on ne va pas me tuer? Pas d'électricité? Pas d'eau potable, rien. La Guinée est dans l'obscurité totale, avec des milliards détournés, encaissés, décaissés et encaissés par nos fucking cadres qui se disent, moi je suis cadre, j'ai étudié ce truc. Vous êtes des cadres, des malhonnêtes que vous êtes. Ça c'est le rôle, c'est le travail d'un cadre. Kere mune yama na ga famanta ina naba e garantie to na muna ha wuli ramar ce qu'on a valorisé en Guinée wuli la mensonge crime awa alpha sekuba kasori mubara mugbe kitife alama alaha wumato haibori mato haimskine mato. Mais il n'a rien été contribué pour la destruction de ce pays-là. Alors, au Brin, nous avons bendé, qui a n'y a rien, autant. Alors, en dernier, il faut me terre de là, autant. Vous êtes des ennemis, des méchants, des mécréants. C'est tout, hein? C'est ça, moi, ma réponse pour vous. C'est ça, ma réponse pour vous. N'a rien eu, supportez-moi. M'bara, quelque temps, fait au Mawa Matou. O fanga vu l'oumana kiné. O bas kamadere. Alors en chance, soto, tu peux sortir de la Guinée. Isiga, isa fende ndereba, alun tam, ndamale kamara, kon a rimu chance, soto. Ak bemu loi, pali chronique réseau. Aniswa rami, faran roulimini, alo bari ralf, tese moudira. Parce que kre, imi dege fa vaina. Fri, iya makolo hôpital kradenre. Saran, Khalid Tylenol Naren, il y a une autre chose qui est là. Il était là à supporter des faux types. Ils ont leur famille à l'extérieur, hein? Ils ont leur famille. Toute leur famille est en extérieur. France, Allemagne, Angleterre, Canada, aux États-Unis. Aura chef de la diplomatie à toute sa famille ici. Alors, pourquoi supporter un gouvernement bidon comme ça? La Guinée, réveillez-vous et luttez, combattre ce bandit. C'est un faux type. Amourani m'a dédé. Dédé, je vous ai dit ça. À 2 mois de transition, là, c'est Valaroubé. Ils ont payé les enfants, les Yamar et autres là, pour insulter. Vrai. Au musique, m'a dédé. Au moins, non, ma. Agnon,
parce que haram omu harangi omu sekolo et puis bonne foi muna obé pour ce pays haramara omu brama un simple blogueur un simple activiste omu brama na fort mais wo regard aujourd'hui est fixé sur nous alors que vous avez beaucoup de choses à faire motan be mon motan afin de otana mo fala alfanama am ana rafo ya sikala na nanku o fan sikama na fo ya nanku c'est ça alors tout ce qui concerne la Guinée mon mal la sema et activiste yo en programme sota en Afrique mon nana kha alatin mais au fond n'ayons ma vie injustice n'ont quoi amarai étant et nous sommes sur un feu parce que c'est comme un histoire là qui s'engueule hier ma à dadis nanara non c'était pas dadis c'est comme un mec n'a été zéro tellement en faveur de bolo alco aura ou yara fini dadis ma mais maintenant cette fois-ci là et ni ma situation en feu et n'a sauvé l'agnon et minima solo dans la falaribe faut continuer à nous faire du mal bien quand même on a tourné c'est fait la bien à l'ara je vous remercie